everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Produits favoris du mois, mes produits de cheveux, mes cheveux crépus afro, mes produits favoris de l'année 2021, les amis. Je me suis dit, quitte à faire une vidéo, tous les mois de septembre sur mes favoris, hein. C'est pas la première fois, bien sûr, mais je le faisais beaucoup moins régulièrement, mais là, c'est la rentrée. J'espère que vous avez bien passé votre rentrée. On est en plein dedans, c'est reparti, les routines changent, même pour nos cheveux. Et voilà, moi j'ai trouvé mes coups de cœur, mes 5 coups de cœur, surtout dans la période printemps, été et fin hiver. J'ai fait un petit résumé vraiment de ce que mes cheveux ici adorent, sont vraiment love de ces produits. Et voilà, donc c'est des produits en 2021 qui m'ont vraiment... vraiment atteint ici. Je vous fais voir ça tout de suite par celui-ci, même si c'est pas un produit en soi, je veux dire, voilà, mais qui est quand même un élément important. Je vais le mettre en parenthèse. Celui-ci, c'est la brume, hein. Voilà, ça fait déjà des années que j'utilise la brume, mais ici, cette année, qui a une fonction assez spéciale, parce que lorsque j'appuie, elle continue, et ce qu'il n'y avait pas dans les brumes d'avant, dans les brumes de ce genre-là avant. Je me l'étais procuré sur AliExpress. Lorsque je fais mes soins, ou que de tous les jours, je mets de l'eau sur mes cheveux, parce que c'est hyper important, et on ne cessera jamais de le dire, c'est important de toujours soigner ses cheveux avec de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie, tout simplement. Ce brumisateur, pour moi, c'est une révolution, parce que voilà, ça tient bien lorsque je tiens avec ma main droite. Mais l'avantage, c'est quand je suis pas du tout gauchère. Alors, quand j'arrive pas à voilà bien m'allier mon coin gauche ou l'arrière, surtout, voilà, ça continue à asperger tout seul. Donc, c'est vraiment bien. De toute façon, c'est quelque chose que j'utilise chaque matin et chaque soir. Même quand j'ai des coiffures protectrices, j'utilise ça. Vu que je n'ai jamais de perruque collée sur la tête ou ce type de coiffure-là, c'est mon meilleur ami de tout le temps. Et ça, donc, voilà. Parenthèse que je tenais absolument à souligner ici. Premier coup de cœur 2021, le cœur Lala. Le cœur Lala, le Defining Curl de Aunt Jackie's. C'est une crème de définition, donc qui aide à boucler les cheveux. Moi, j'aime bien quand mes cheveux sont naturellement. C'est vrai que mes cheveux sont naturellement bouclés, pas toujours. Alors, je me suis dit, en été, j'aime bien avoir mes cheveux à l'air. Hein. Je fais pas beaucoup de coiffure protectrice, sauf pour dormir. Parce qu'il fait chaud, on a la flemme parfois de prendre le temps, prendre 20 minutes avant de dormir, de mettre tout ce qu'il faut et ensuite aller dormir. Non, moi, ça m'a aidé. Surtout en début de journée, parfois en fin de journée. En fait, moi, je utilise ça comme crème coiffante. Ça coiffe super bien les cheveux. Moi, ça me donne des boucles de bien ondulées, quoi, comme je les aime. Simplement, c'est vraiment mon coup de cœur, ma découverte de l'année et mon coup de cœur de l'année. C'est comme un conditionneur que tu mets, en fait, un conditionneur sans rinçage. Il y a de l'huile d'olive dedans, il y a du beurre de karité dedans. Et mon Dieu, les waves que ça donne. Moi, je vous dis, si vous voulez voir une démonstration sur ce que ça donne sur ma tête, mets-le directement en commentaire. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur de 2021. Le cœur Lala, je pense que je vais acheter un stock là. Je suis à la moitié déjà, j'ai déjà consommé pas mal. Mais ça donne des super définitions de boucles, même sans avoir fait de twist out. C'est vraiment mon coup de cœur. Ensuite, mon second coup de cœur ici. Oh my goodness. Alors, j'avais utilisé le normal, hein, le formule intense. J'avais utilisé le formule régulière que vous avez vu certainement sur cette vidéo aussi. Et voilà, celui-ci, c'est la formule intense. J'avais acheté le intense pour les cheveux de Esteban, parce que Esteban a des cheveux beaucoup plus poreux que moi. C'est à la base de beurre de karité. Le intense, il est super bien, franchement. Après un shampoing, c'est ça que je mets après tous mes shampoings. Là, je vous parle vraiment des produits que j'utilise depuis des mois. Donc ça, je mets juste après mon shampoing. En fait, c'est mon wash and go.
Donc dès que je me lave les cheveux, je fais mon shampoing directement, je saute dessus. 4 sections, je masse, ça se boucle naturellement. C'est pas du tout gras. Mais le truc qui est dingue, c'est que ça, c'est un conditionneur. Hein, donc c'est un bain de crème. Ça hydrate vraiment genre de 8h à 20h. Là, je vous dis vraiment la vérité, mais si pas plus. Donc, pas besoin de remettre de l'eau le soir avant de dormir, c'est pas nécessaire, c'est pas du tout utile. Ce produit-là de She Miracle, c'est African Pride, j'adore tous les produits de African Pride. Déjà, pour leurs odeurs, c'est super agréable. Moi, ça me rappelle les Just For Me, les trucs qu'on nous mettait sur la tête avant. Vraiment, mon coup de cœur, en plus, ça sent la mangue et tout. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ensuite, ma découverte aussi de 2021, c'est celui-ci, le Rosso Clean. Ça, c'est encore Aunt Jackie's. Ils font des trucs, les Aunt Jackie's. Hein. Surtout cette gamme de 2021 qu'ils ont sorti, j'adore. Ça, c'est le shampoing et moisturizer et le softening. Donc, c'est un deep shampoing, un shampoing profond. C'est un shampoing clarifiant. Surtout si vous avez l'habitude de sécher les cheveux après que vous avez utilisé votre après-shampoing. C'est vraiment un shampoing qui fait obéir les cheveux. J'adore. En tout cas, moi, mes cheveux s'adaptent en ce moment à ce shampoing-là. Et il est extraordinaire. Pour le prix, c'est pas du tout cher. C'est un produit américain, c'est fait aux États-Unis. Et voilà, moi j'adore parce que voilà, ça me fait garder aussi mes boucles pour toutes ses vertus, hein, bien sûr. Base de beurre de karité et à base d'huile d'olive aussi. Donc, à chaque fois, ce qui est adapté à mes cheveux. Quatrième coup de cœur, c'est le Corinne de Farm. Ça, c'est une découverte. Hein, ça fait déjà moins longtemps que les autres. Ça fait 2 mois que j'utilise ça sur les cheveux. À la base, j'avais acheté ça pour Esteban. Mais j'ai commencé à utiliser ça aussi sur mes cheveux. C'est un démêlant. Et il est super comme des mélanges. D'abord, quand le truc qui m'a attiré de chez Corinne de Farm, j'aime bien parce que j'aime bien leur savon pour bébé. Alors, je me suis dit, bah tiens, ils ont fait un truc pour les cheveux secs, frisés, vraiment pour nous, quoi. Parce que nos cheveux sont secs et frisés. Maintenant, je dis pas que ça hydrate les cheveux secs, c'est complètement faux. Je sais qu'il c'est à base de coco, il y a la noix de coco, ça sent hyper bon. Franchement, c'est le genre de truc que tu sors en été, à la plage, j'en sais rien, en soirée, tu mets ça, t'es parti, c'est bon. Hein. J'ai acheté ça déjà parce que oui, c'est un démêlant, l'huile de coco, donc j'aime beaucoup. Bien parce que c'est 97% d'origine naturelle. Et surtout lorsqu'on a le cuir chevelu fragile, j'avais acheté chez Dee, qui était fabriqué en France. C'est de chez Corinne de Farm et c'est un démêlant. Est-ce qu'il démêle bien? Moi, il démêle super bien mes cheveux. Les cheveux des enfants aussi, c'est ce que j'utilise en ce moment pour rester aussi. Donc, il est assez complet. Mais vraiment, ça dépend. Ça dépend des périodes parce que nos cheveux ont des périodes. Des choses vraiment à savoir. C'est pas parce que tu utilises un produit tous les jours, ça veut dire que ça va fonctionner dans le temps à chaque fois. Maintenant, si ça fonctionne toujours de la même façon, tant mieux. Mais moi, je sais que je suis pas... De ce genre-là. Mes cheveux ont besoin constamment d'être adaptés. Donc, le produit doit être adapté à mes cheveux. Ça ne va pas après 1 mois, 2 mois, je change. Vraiment ça, donc ça ne va pas après 1 mois, 2 mois, je change, je ne l'achète plus. Parfois même, il y a des produits que j'achète, après 3 utilisations, je n'utilise plus. Soit je donne, soit je jette à la poubelle, tout simplement. Alors, le dernier produit coup de cœur de 2021, ce n'est pas une découverte, bien sûr, c'est l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, je crois que ça reviendra chaque année. C'est ça que mes cheveux sont lovely dedans, tout simplement parce que ça aide pour tout. Ça, c'est le extra vierge, hein. C'est l'huile d'olive que j'achète chez Lidl pour la cuisine ou quoi que ce soit. Moi, je l'utilise pour mes cheveux. La bouteille pour les cheveux, il y a la bouteille pour la cuisine. Donc, je ne mélange pas les deux, bien sûr. L'huile d'olive, pour moi, c'est le meilleur. C'est ma pommade, c'est mon huile nourrisseur, c'est mon élixir de cheveux. C'est vraiment ce que je mets le matin de préférence et non avant de dormir, bien sûr, parce que j'ai la journée. Je teste ma porosité avec l'huile d'olive souvent par moment pour savoir si mes cheveux sont pas trop gras ou sont pas assez hydratés. Ça aide énormément à la pousse, ça c'est sûr, c'est connu, bien sûr, mais moi-même je l'ai expérimenté. Et surtout, ça renforce les cheveux. Depuis que j'utilise cette méthode d'huile d'olive, ça fait déjà presque plus de 10 ans, lorsque je me brosse les cheveux, je ne perds pratiquement presque plus les cheveux. À moins que des moments de flemme, j'ai pas envie de peigner mes cheveux tout simplement pendant 1 semaine. Ça m'arrive. Voilà, il y a des périodes où t'as pas envie d'entretenir les cheveux parce que ça demande énormément de travail. Et faut savoir aussi que les cheveux n'ont pas besoin de toujours être touchés, manipulés et tout ça. Donc,
des vidéos qui vont arriver où je vais vous montrer des routines du soir où je laisse tout simplement mes cheveux au naturel, ce qui est souvent le cas, surtout en été. Ou voilà, avant de dormir, j'utilise juste de l'eau, 2-3 gouttes d'huile d'olive et c'est parti. Bonnet en satin. J'ai une certaine manière d'attacher mes cheveux pour pas les tirer aussi pour le contour. Pour pas perdre mes cheveux bêtement en fait. Pas les casser. Parce que nos cheveux à nous, nos cheveux afro, sont extrêmement sensibles. Ils sont fragiles. Pour les renforcer, je dis toujours c'est indispensable l'huile d'olive comme l'huile de coco. Bien sûr, ça fait longtemps que j'ai pas fait... de bain d'huile de coco depuis le printemps d'ailleurs. Tu n'as pas encore été voir cette vidéo là. Je t'invite à le faire. Et voilà, comme ça tu sais un peu le soin que j'ai fait cette année pour mon bain d'huile 2021. C'était mes 5 produits favoris de l'année 2021 pour mes cheveux. Mes cheveux sont en bonne santé. Un peu rechuté parce qu'à un moment j'étais malade. Là, pendant le mois d'août, c'était pas la joie. Négliger mes cheveux, mais voilà, j'avais pas que ça à faire non plus parce que c'est ma santé d'abord. À moi, à mon corps, pour que mes cheveux soient bien. Voilà, mais je me suis vite rattrapée, j'ai fait plein de coachs et tout ça, tout ça. Ne vous inquiétez pas, je tiens à le dire dans cette vidéo, il y aura bientôt les vidéos revues des produits comme certains d'entre vous m'ont demandé à faire. Voilà, comme c'est la rentrée, je vais balancer ça bientôt, très bientôt. Si tu veux avoir des infos par rapport à tous ces produits, n'hésite pas d'aller voir directement en barre d'informations. Il y a tous les liens que je vous mets à chaque fois pour toutes les vidéos. Je vous mets les liens en dessous. N'hésitez pas d'aller voir. Un merci de regarder ce genre de vidéo aussi. Vraiment, je vous en remercie énormément. Beaucoup de retours là-dessus. Et n'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce juste pour m'encourager. Voilà, que ce soit dans tous les sens, mais juste un petit pouce. Ça me donne un petit courage. Et à vous abonner si vous voulez voir encore ce genre de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve donc mercredi, samedi et lundi prochain sur une autre vidéo. Bisous !